Salut tout le monde les amis et bienvenue à Raw pour la seconde partie des qualifications de Ladder Match côté Raw à Money in the Bank qui arrive d'ici 3 semaines. Et oui, 3 semaines les amis, préparez-vous à un pay-per-view d'anthologie. Je le dis bien, je le dis haut et fort maintenant. Et on commence notre premier match de la soirée avec Dolph Ziggler contre Monsieur Ted DiBiase. Et bien sûr, nous sommes à New York City Beach pour du très très grand spectacle en perspective. Peut-être que les matchs comme ça n'ont pas l'air super alléchants sur le papier, mais attendez-vous à du très 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 grand spectacle. Et surtout, la dernière partie, on a John Cena qui va venir s'exprimer sur son agression qu'il a subie il y a quelques semaines des mains de Monsieur Stone Cold Steve Austin. Ça s'annonce épiquissime, hein, genre j'en perds la voix, j'ai pas les mots pour vous exprimer ce qui va se passer dans les semaines qui va venir. C'est tellement légendaire ce qui va se passer sur la chaîne, les amis. Franchement, en plus d'ici quelques mois, il y a WWE 13 qui va sortir. Et là, j'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots, les amis. Je sais pas comment. Ça va se passer tellement ça va être énormissime. Le jeu s'annonce 10 fois meilleur que celui-là. Et les possibilités seront encore beaucoup plus nombreuses. Enfin, ça s'annonce énormissime. Hein. Vous savez très bien ce qui suit l'actualité. Oh là là, j'attends vraiment beaucoup le WWE 13. Et j'attends encore plus le WWE 14 qui sera sur, je pense, PS4, Xbox 3. Celui-là sera... Alors si j'ai pas les mots pour le 13, j'aurai jamais les mots pour le 14. C'est même pas la peine d'y penser. Et pour ceux qui ont regardé le début, vous avez pu voir la nouvelle intro de Raw. Eh oui, donc pour SmackDown, je vais changer également l'intro. Ça fera l'ancienne intro qui a eu ces derniers temps. Mais là, j'ai changé l'intro de Raw, donc la version rap, on va dire. Même si j'aurais préféré l'ancienne. Mais bon, faut se mettre un petit peu à la mode, faut se mettre au goût du jour. Et donc, j'ai préféré vous mettre la nouvelle intro hein, pour un maximum de plaisir, bien sûr. Et là, je parle, mais je commente même pas le match. Je vous laisse regarder ce magnifique match entre Dolph Ziggler et Ted DiBiase. Je le rappelle, pour une qualification, pour une place à Money in the Bank côté Raw, il y a déjà Santino Marella, David Otunga et le plus dangereux Mark Henry. Eh oui, Mark Henry sur une échelle. Imaginez s'il pète l'échelle. On est dans la merde. Eh ouais, on est dans la merde sur cette échelle. Heureusement qu'il y en a plusieurs. Et là, Dolph Ziggler qui sera peut-être le quatrième qualifié avec un sleeper hold sur le pauvre Ted DiBiase qui est complètement dépassé dans ce match. Je ne vois pas comment Ted DiBiase pourrait gagner face à Dolph Ziggler, qui est vraiment un des prétendants à aller chercher cette manette. Et on dirait que Ted DiBiase va abandonner. Mais non, c'est bon, il arrive à s'en sortir, on dirait. Oui, c'est bon, il arrive à s'en sortir tranquillement, enfin même difficilement plutôt. Donc Ted DiBiase, hein, comme je ne l'ai pas dit, et ben il est un petit peu en galère ces temps-ci hein, par rapport à Dolph Ziggler qui est là vraiment en plein boost de popularité, en plein boost de tout ce que vous voulez. Il est en train de monter très très haut, Dolph Ziggler. Espérons-le que ça va payer pour lui. Je rappelle qu'il est gentil, qu'il est face hein, dans ma fanfic. Et en parlant de ma fanfic, je vais peut-être attendre que le match se termine, peut-être, c'est pas que ça va se terminer. Puisque j'ai quand même beaucoup de questions concernant le fait, est-ce que ma fanfic ou est-ce que ma chaîne YouTube fermera lorsque WWE 13 sortira pour en recommencer une autre. Et ben non, je vais continuer sur celle-ci. C'est vrai que ça va faire un petit peu tâche, la chaîne qui s'appelle WWE 12 et en train de WWE 13. Mais je ne peux pas changer de chaîne, sinon je perdrai beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés. Après tout, vous me direz, les meilleurs abonnés me suivront, ceux qui veulent me suivront, mais j'ai pas vraiment envie de tout recommencer. J'ai recommencé avec ma chaîne principale, Monsieur Oxor HD, et j'ai pas vraiment de recommencer avec celle-là. Donc là, c'est surtout pour vous faire plaisir et me faire plaisir que je vais continuer sur cette chaîne. Tout simplement, et même sur le même site. Donc ce sera toujours www.12univers.com et la chaîne sera toujours www. Allez, John Cena qui arrive. Peut-être pour aider Dolph Ziggler.
Eh ouais, c'est pour aider Dolph Ziggler hein, qui va être une finale. Il a été rangé Ted DiBiase. Donc le titre sera sur WWE 12 Univers et la chaîne WWE 12 Univers également. Il y aura juste le background, le logo et la petite bannière qui changera, pareil pour le site. Donc ça sera vraiment tout neuf tout ça. Je suis en train de faire ça avec mon graphiste et là, la magnifique descente de la jambe. Et elle va peut-être continuer avec le zigzag. Non, le slipper. Pour faire dodo avec Ted DiBiase dans ses bras et John Cena qui s'en va et voilà il abandonne Ted DiBiase, c'est terminé. Et John Cena qui est venu aider Dolph Ziggler. Je sais pas trop pourquoi il est venu aider, je pense que Ziggler a quand même le match en main. Mais c'est vrai que le Spinebuster de Ted DiBiase est passé très très près de la victoire. Et belle victoire donc de Monsieur Dolph Ziggler. Qui sera donc le quatrième qualifié pour le côté raw du ladder match à Money in the Bank. Pour l'instant, de très 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 belles têtes d'affiche pour ce ladder match. Vraiment du potentiel énorme hein, sur ce ladder match. Et pour l'instant, second match de la soirée, Cody Rhodes contre Jack Swagger. Jack Swagger à la québécoise. Non, je rigole. Que dire de ce match? Que dire de ces deux combattants? Tout simplement, lui, il est complètement décérébré, complètement cinglé dans sa tête. Et Jack Swagger, qui a provoqué la semaine dernière Randy Orton après sa victoire contre Sheamus, est venu lui faire signe de la ceinture. Donc écoute, Jack Swagger, je sais pas trop pourquoi tu viens faire ça. Sachant que tu es à Raw, et pas à SmackDown. Donc la mallette, si tu la gagnes, tu pourras pas la défendre, enfin la jouer contre Anderton, mais plus contre Sheamus. Donc je te laissais faire ça, mais ce signe, la rivalité entre Anderton et toi, c'est terminé. Tu n'as plus à faire ça. Donc voilà. Et le match débute enfin. Enfin. Eh oui, je coupe les intros, hein. Je suis désolé, il y en a qui gueulent, mais bon, c'est-à-dire trop longtemps, on a toujours les mêmes intros tout le temps, ça change jamais, donc forcément, je les enlève. Bon, je vous avoue, pour WWE 13, je risque de les laisser, puisque bah, c'est tout nouveau pour nous, c'est tout nouveau, donc on va les laisser, bien sûr, c'est un petit peu normal. Mais je pense que d'ici 4-5 mois, je vous verrai pareil, un petit peu réduite, si j'ose dire. On passe pas dessus la troisième corde, attention là Cody Rhodes, bien envoyé par Jack Swagger. Un match assez indécis puisque les deux superstars sont au même niveau, j'ai envie de dire. Même si Jack Swagger ces temps-ci a eu plus de mal à cause de Randy Orton qui l'a pas mal envoyé dans les pâquerettes. Peut-être qu'il partait pour une souplesse Cody Rhodes, mais non, il a préféré détruire le coccyx de son adversaire. Et des droites là, vous avez vu la droite, ils sont une droite chacun leur tour, hein, et ça percute en même temps sur leur visage. Et des droites dans la face de Cody Rhodes. Une droite qui partit en petit peu un saucisson. Ah, un coup esquivé par de Cody Rhodes. Ça va revenir très vite dans le match. Hein, Cody Rhodes avec une petite tape à la tête. Ce soir, on aura également un main event. Qui n'en est pas vraiment un. Et un angle lock. Est-ce que c'est un angle lock? Non, c'est pas un angle lock ça. Non, c'est pas un angle lock. Donc un main event qui n'est pas vraiment un. C'est Lord Tensai contre Heath Slater. Donc, je pense que le gagnant est déjà tout de suite désigné. Hein. Je pense pas que Heath Slater puisse faire le poids face à Lord Tensai. Et je pense qu'une fois qu'on aura ce match entre Swagger et Cody Rhodes terminé, on aura nos têtes d'affiche pour le Money in the Bank ladder match. Puisque je pense que Lord Tensai, c'est quasiment sûr qu'il y soit. Et là, voilà, powerbomb de Jack Swagger. Peut-être pour terminer avec le tombé sur Cody Rhodes maintenant. Non, dégagement de Cody Rhodes. Il en veut vraiment Cody Rhodes, hein, il est vraiment
essayer de rivaliser face à Jack Swagger. Belle prise de soumission. On dirait même le Wall of Jericho. Mais très très mal exécuté. Et il va endormir Cody Rhodes. C'est dommage de finir sur des prises de soumission à chaque fois. On a déjà fini sur une prise de soumission lors du premier match entre Dolph Ziggler et Ted DiBiase. And King, a move like that really shows the time he spent watching tape and studying up on his craft. J'aurais vraiment cru que Jack Swagger allait dominer le match vraiment du début à la fin. Mais finalement, Cody Rhodes lui donne un petit peu de résistance. Ce qui est pas plus mal, vous allez me dire, hein, quand on termine pas le show en 5 minutes. And there's the submission hold. Will this do it? Wait a minute. Refusing to give in there. De bons coups de boule dans la mâchoire là, c'est pas forcément du bien. Oh là là, ça va faire mal ça. Il va peut-être partir pour, voilà, pour sa prise de finition maintenant, Jack Swagger. Seconde prise de finition peut-être pour en terminer avec Cody Rhodes. Allez, je pense qu'il va, voilà, il va le tirer, mettre au centre du ring et exécuter le tombé. Allez, c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Victoire ouais, facile, on va dire, de Jack Swagger. Hein. Il n'a pas trop sué dans ce match, même s'il lui a fait un petit peu peur des fois Cody Rhodes. La victoire de Jack Swagger est, je pense, normale. Parce que Cody Rhodes est en fini, hein, c'est tout ce qu'il fait. Et Cody Rhodes qui s'énerve là, descend. Ah, il va vers la table des commentateurs et il va l'exploser. Voilà, il enlève tous les écrans. Michael Cole qui a rien de lui parler là. Elle se prend une baffe dans la gueule. Oh putain. Oh là là, Jerry Lawler qui lui, non, j'en veux pas, laisse pas tranquille. Hein. C'est bon, Michael Cole il a eu sa dose. Oh là là. Est-ce qu'une nouvelle rivalité va se réveiller à la WWE entre Michael Cole et Cody Rhodes? Ce serait vraiment marrant. Et là, on va assister à un match entre Heath Slater, entre Lord Jensai. Approaching the ring from Pineville, West Virginia, weighing 232 pounds, Heath Slater. Donc voilà, je vous ai laissé apprécier les intros et surtout celle de Lord Jensai, parce que c'est la première fois que vous voyez. Plutôt bien fait quand même, Lord Jensai, hein. Je l'ai récupéré sur la communauté. J'espère qu'il y sera dans le 13. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent comment je vais faire toutes les super forts que j'ai créées, enfin que je suis allé télécharger plutôt. Comment ça va faire avec le 13. Bah, tout d'abord, j'espère que la plupart que j'ai pris seront sur le 13. Même si je suppose que certains ne le seront pas. Peut-être comme Unico ou peut-être leur Tatsai qui sera peut-être pas. Donc, j'espère qu'ils y seront quand même. Mais même Primo et Pico, je sais pas s'ils y seront également. J'espère qu'ils y seront. Et sinon, bah, j'attendrai tout simplement que un Américain ou un Anglais les fasse. Et que je puisse aller les télécharger. Comme je l'ai fait maintenant. C'est vrai que ça pourrait mettre un petit peu entre parenthèses. Des moments de la fanfic, mais bon, on trouvera toujours une solution, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, je modifierai tout dans W13 pour que ça colle parfaitement à la suite de l'univers. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si je dis une bêtise, hein, Heath Slater il est face ici et qu'il est elle dans W13, bah, je le mettrai face là-bas. Ce qui me paraît normal pour une bonne continuité de la chaîne. Également pour les rivalités et les mes alliances, je ferai tout, hein, je ferai en sorte que tout soit parfaitement cohérent. Et bien sûr, je démarrerai là où on s'était arrêté ici, c'est-à-dire maintenant on s'arrête à SummerSlam, et ben je continuerai par faire SummerSlam là-bas. Ça paraît relativement logique, hein, mais certains n'ont peut-être pas trop compris.
Enfin, comme ça au moins c'est clair, c'est expliqué. Et alors Heath Slater, il s'amuse vraiment avec le pauvre Heath Slater. Hein. Comme je l'ai dit avant, ça va pas durer très longtemps cette histoire avec Heath Slater. Et voilà, je pense que là c'est terminé. Heath Slater est déchiré. Et 1, et 2, et 3, terminé. Terminé pour Heath Slater. Il s'est fait lobotomiser, désingué, déchiré, zigouillé, tout ce que vous voulez. Mais alors comme ça, il est beaucoup trop fort. Et là, franchement, c'est un sacré morceau hein, qui aura à Money in the Bank. Ça s'annonce très lourd. Oh là là, ce qu'il va faire comme l'autre fois avec le Great Khali. Il va lui péter la jambe. Il va lui péter la jambe. CM Punk, CM Punk arrive. Et il est dans son ancien collègue de la Nexus. CM Punk va venir aider Heath Slater des mains de Lord Tenzai. CM Punk, il n'a pas de match à Money in the Bank. Et c'est, là, il est en train de se venger de tout ça. Et venu aider son ancien collègue de la Nexus, CM Punk, qui est de retour à la WWE. Ça fait vraiment plaisir. Et là, on va bientôt, maintenant, tout de suite même, accueillir John Cena pour son intro, pour son dialogue qu'il a à faire à l'univers de la WWE, à vous-même qu'il a à faire comme dialogue. Un dialogue très 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 important, vous allez voir. Il y a quelques semaines de ça, il s'est fait agresser hein, par Stone Cold Steve Austin. Des images très très dures que je vous invite à revoir à Raw, je me sens que il y a deux semaines. C'était très très dur comme image. John Cena s'est fait agresser par Stone Cold Steve Austin. On sait tous hein, Stone Cold Steve Austin a eu des grosses rivalités comme par exemple contre Vince McMahon. Et il va pas de main morte hein, généralement Stone Cold. Et donc là John Cena qui est à New York pour s'exprimer sur cette histoire qui je pense peut aller très très loin. Et on va laisser John Cena parler. Et on va savoir pourquoi John. Pourquoi? Ah, Stone Cold voudrait relancer sa carrière en voulant te frapper, ah, je sais pas trop d'accord avec toi John Cena. Ah, il va match contre Stone Cold, ça serait peut-être même ce soir le match. Imaginez un match ce soir contre Stone Cold là. Ce serait vraiment pas mal, là. Il appelle Stone Cold John Cena. Il a raison de l'appeler, il faut l'appeler en même temps, il a pas tort. Attends, c'est qui ça? Ah, c'est Vince McMahon. Le chairman de la WWE. Ah, il y aura un match contre John Cena et Stone Cold à Money in the Bank dans un Full Count Anywhere match. Oh là 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 là. Allez, salut tout le monde, la semaine prochaine. Bye bye.